m'appelle Sabrina Resser, je suis en 3D2, deuxième année. 3D1, je l'ai assez bien vécu, on va dire, parce que j'avais déjà fait la prépa avant. Et en termes de rythme de travail, j'avais déjà plus ou moins pris le pli. C'est effectivement intense, mais en vrai, si on est bien organisé, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Ah, je stressais beaucoup pour la 3D1, parce que justement, à la base, je voulais faire praticien. J'avais pas spécialement vraiment réfléchi à partir en 3D. Et on a la chance justement en prépa d'avoir des workshops du coup pour nous présenter un peu justement les autres filières, comme bah, du coup la 3D. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit ok, en fait je pense que c'est quelque chose qui me plaît bien et j'ai envie de pousser un peu plus ce côté-là. Ce qui est assez impressionnant avec cette filière, c'est que justement on touche à beaucoup de domaines et c'est extrêmement créatif. En fait, c'est un milieu où on a l'impression qu'on peut vraiment tout faire. Donc justement, on a beaucoup de projets personnels en plus des cours, ça motive énormément. Et j'aurais jamais pensé justement arriver jusqu'ici, en première année, au premier cours de modèle de modélisation. L'évolution, elle est vraiment impressionnante. Justement, c'est le fait de pouvoir travailler à côté, ça permet de développer aussi du coup un certain style. Et puis même pour nos portfolios, en fait, finalement, pour la troisième année, c'est assez important de pouvoir présenter d'autres choses que ce qu'on peut faire en cours.